voilà, très très grosse manifestation contre les violences faites aux femmes, contre le patriarcat, donc une manifestation très dynamique. Et ben, c'est important. Alors, c'est important pour nous, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un cortège NPA et puis que je suis là et puis qu'on est assez nombreux à y être. Mais c'est surtout important pour le mouvement féministe de réussir ce rendez-vous-là parce qu'on est quand même dans une période très particulière avec une grosse vague réactionnaire, les fachos et puis tout ce qui peut représenter l'ordre moral, quoi, contre les femmes, contre les homosexuels, enfin tout. Et donc du coup, il y a une importance aujourd'hui de relever la tête pour ce mouvement-là, de se reconstruire, d'arriver à retrouver une dynamique. Et puis aujourd'hui, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc, et c'est très bien pour ça, et on espère que justement le mouvement se reconstruit. On est dans une période, de toute façon, il faut que les choses tournent dans l'autre sens. Donc il y a la riposte et puis il y a repasser à l'offensive. Donc ben, là, c'est toutes les revendications, à la fois féministes, le droit à l'avortement. C'est quand même encourageant pour la suite parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde, milieu associatif, milieu syndicaliste, on va dire la gauche politique et puis des tas de gens qui sont là. Donc il y a aussi quelque part une volonté de répondre aux coups, de répondre aux pressions, de répondre à toutes les saloperies qu'on peut entendre et puis d'exprimer qu'en fait ben, les combats sont d'actualité et les combats vont se mener et vont se construire. Donc voilà, c'est quand même un rendez-vous, on peut dire, je pense aujourd'hui, qui est réussi et il faut absolument profiter de cet élan-là.